Bon, ok. J'ai tenu 3 jours. 3 jours sans parler de Caris et Booba. Salam le monde, c'est pas possible, j'espère que vous allez bien les gars. Oui, et aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo réaction. Le nouveau clip, oui, de Caris Octogone. Tu sais d'avance que ça va être du sale. Bon, là au moins c'est pas un onomatopée le titre. Voilà, c'est Octogone bien sûr, qui fait partie de l'album Or Noir 3 qui est sorti de Caris récemment. Alors moi personnellement, je vais te dire la vérité, j'ai toujours pas écouté l'album. Je crois que là je vais essayer de m'écouter ça dans la semaine. Donc du coup, c'est la première fois, donc du coup je vais écouter le son. Et en plus en clip, donc ça va être que du sale. Aïe, les Ivoiriens, on est ensemble. Est-ce que c'était une... Je pense qu'on s'attendait pas à un Caris qui chantonne. Hein. Bon, déjà, il n'y a pas de refrain, évidemment, sur le son. Alors, je le répète, évidemment, le son, je l'avais toujours pas écouté. Donc voilà, c'est un son sans refrain, évidemment, où il kick, bien sûr. Il règle encore ses comptes avec un certain B2O. Après, le clip, bah, il est tourné un peu en one shot, parce que voilà, il est toujours au même endroit, toujours habillé aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, franchement, c'était un son que lui-même, il s'est dit, il faut le clipper, parce que je sais que ça va faire des vues, ça va être en tendance. La preuve, là, c'est numéro 1 des tendances, et c'est déjà 466 000 vues en 6 heures, je crois. Donc c'est, voilà, c'est quand même énorme. Donc voilà, Caris, bien sûr, il savait que ça allait bien marcher. Après, il n'y a pas de grosse punchline, bien sûr, il y a une petite punchline sur le délire de ouais, t'étais en 9-2 ITT, tu vois. Tous à l'hôpital, demandez au 9-2 ITT. Bien sûr, où il faisait référence à la baston qui a eu à Orly, où voilà, l'équipe de Booba était vraiment plusieurs, et puis pourtant, là, ça l'a pas empêché de quand même lui en coller une. Après, bien sûr, il s'attaque aussi à la femme de Booba, enfin, sa femme ou son ex, bref, je m'en bats les couilles un peu. C'est ta meuf, la tienne, c'est pas la mienne. Les petits ponts de huile, c'est dans la teucha de ta chaîne. Trois gosselles, ouvert sur le net, j'imagine pas les kilomètres. Voilà. Elle a baroudé, quoi, apparemment. Bon, après, voilà, non, plus sérieusement, voilà, de toute façon, on s'y attendait à ce type de son. Voilà, franchement, c'est du Caris, voilà, fidèle à lui-même. Maintenant, je peux pas donner mon avis sur vraiment l'ensemble de l'album. Voilà, je vais vraiment écouter, je vais voir si c'est vraiment le Caris de Or Noir, quoi, parce que quand voilà, tu sors une série d'albums comme ça, donc voilà, Caris, c'est vraiment Or Noir partie 1, enfin Or Noir 1, c'était vraiment monstrueux. Or Noir 2, je sais, bon, ça allait encore. De ce que j'ai lu comme critique, c'est pas ouf, tu vois. Mais moi, je préfère me faire mon avis, parce qu'en général, je suis toujours le contraire du peuple, ouais. Je suis un foulard rouge un peu. Non, je rigole. Qu'ils aillent se faire enculer eux. Bref, les gars, donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, hein, les gars. Donnez vos avis en commentaire. Dites-moi si vous avez validé le clip ou pas, c'est important. Et voilà, si vous avez également écouté l'album Or Noir 3, surtout n'hésitez pas à donner vos avis. Moi, je compte sur vous. Bref, si vous venez tout juste de me découvrir, c'est pas possible. Donc n'hésitez pas à t'abonner, frérot. Bref, je vous laisse, je vous aime et je vous fais la pion.